Le nombre de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin a triplé ces deux dernières semaines. Des nouvelles rassurantes pour les autorités de santé qui se fixent comme premier objectif un taux de vaccination de 49% de la population à la fin du mois d'août. En poursuivant ce rythme, à la fois accessible et volontariste, nous serions en mesure de vacciner effectivement 80% de la population réunionnaise d'ici au plus tard le milieu du mois de novembre. Dans ce centre, l'un des plus importants de l'île, la capacité de vaccination est de 1500 à 1700 injections par jour avec un taux de remplissage de 75%. Malgré un léger tassement dû aux vacances, le rythme de vaccination reste bon, estiment les responsables. J'ai foi aux Réunionnais, je pense que oui, je pense qu'on est arrivé dans une situation où aujourd'hui on n'a pas trop d'autre choix que de venir se faire vacciner parce que c'est dans l'intérêt collectif. Donc oui, j'ai bien espoir qu'on arrive à ces 80% de vaccination. Mais malgré ces bons chiffres, la Réunion reste à la traîne, rappelle l'ARS. Seulement 38% des Réunionnais ont reçu une première injection et 28% disposent d'un schéma vaccinal complet.